C'est bon. Action. Voilà, je suis honorable Banza Lunda John, député national élu de Kalemie dans la province du Tanganyika. À côté de mon collègue honorable Bindoulé, nous sommes venus constater ce qui s'est passé dans la résidence privée de notre premier vice-président, l'honorable Jean-Marc Kabound. Nous sommes sans voix. Nous sommes dépassés, puisque nous ne comprenons pas cette faillite totale de l'État où une partie de l'armée peut être utilisée pour une descente punitive pour quelque chose qui aurait pu être réglé par la justice. Et donc nous ne comprenons pas, nous en tant que députés nationaux, un affront contre l'Assemblée nationale, parce qu'il s'agit de notre premier vice-président. Et ici, c'est un outrage contre l'Assemblée nationale, le Parlement qui représente le peuple congolais. Donc le peuple congolais a été attaqué par son premier vice-président, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc, nous en appelons aux autorités compétentes de tirer les conséquences le plus vite possible pour que cet état de choses soit mis au clair et que les responsables, les coupables soient sévèrement punis. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un élu, de surcroît premier vice-président, puisse être attaqué de cette façon-ci. Et que dire des autres députés qui représentent le peuple souverain? Et donc, nous ne pouvons pas accepter cet acte de trop contre l'Assemblée nationale. Quel message lancez-vous au commandant de la garde républicaine, Christian Chibouni, par rapport à ce qui vient de se passer? Nous n'avons pas de messages particuliers à envoyer à un responsable de l'armée. Nous représentons le peuple souverain. Il est sous le drapeau et il doit agir selon le règlement militaire. Que vient faire l'armée dans une résidence privée? Dans quel pays vous avez vu ça? Nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc, les responsables doivent tirer les conséquences et sanctionner sévèrement ceux qui sont venus commettre ces actes d'un autre âge. Vous aurez un mot? Oui. Oui, quel est le message que vous avez par rapport à ce qui vient de se passer à la résidence du premier vice-président Jean-Marc Kabound? D'abord, je déplore ce qui se passe ici. Nous sommes dans son bureau, vandalisé. Nous avons aussi visité sa maison. Attaque premier vice-président de l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République. Et nous nous demandons comment le militaire soit venu dans une résidence, d'abord d'un civil, parce que le vice-président n'est pas militaire, il est civil, et de surcroît, on ne peut pas envoyer la garde républicaine pour venir dans une résidence de quelqu'un. S'il y avait un problème qui concernait l'armée, on allait envoyer des militaires de PME, on allait envoyer l'auditorat militaire pour venir faire, s'il y avait un problème, s'il y avait une réquisition. Parce que moi, je pense qu'ils cherchaient quelque chose, parce qu'ils ont vandalisé. Je vois, ils ont jeté des pièces partout. Apparemment, ils cherchaient quelque chose. Et pour moi, s'ils cherchaient quelque chose, ils devraient venir avec un mandat qui les autorise de le faire. Et cela ne pouvait pas se passer avec la garde républicaine. On allait saisir les institutions judiciaires, militaires, connues. Nous sommes dans un état. Et il faut voir, parce que tous les députés de l'Assemblée nationale vont passer par ici pour venir prendre. Et puis d'ailleurs, nous nous demandons à notre bureau de l'Assemblée nationale de convoquer la session extraordinaire
pour qu'on puisse analyser la question de la sécurité, de la sécurisation des élus du peuple. Quel est l'état d'esprit de Jean-Marc Kaboun, parce que vous venez de les rencontrer? Nous venons de les rencontrer. Vous savez, le vice-président, il a passé dans plusieurs écoles de formation. Et nous l'avons trouvé, il est calme. Et il est sain d'analyser, d'écouter les gens. Et, parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent pour venir compatir avec lui et lui prodiguer peut-être des conseils, on ne sait pas, mais il est vraiment serré et il dit, si on le fait chez moi, alors chez les autres députés, comment ça se passe? Moi, je viens de l'Est, je viens de là où on tue les gens. Quand je vois cette situation, j'ai dit, on doit prendre des mesures correctives et sévères contre cette unité, parce que c'est une unité, on ne peut pas dire que c'est toute la garde républicaine, c'est une unité qui est venue sans mandat, sans autorisation, venir saboter la résidence du premier vice-président de l'Assemblée. Vous savez, normalement, le premier vice-président, le président, devrait être logé dans des résidences officielles de l'Assemblée nationale. Et ces résidences, elles sont inviolables. Et comme il est chez lui, sa résidence est inviolable. Et le président de l'Assemblée, il a ses immunités. Est-ce qu'on a levé ses immunités pour dire voilà, on vient, parce qu'on le cherchait, hein, apparemment on le cherchait, et on a même, il y a eu des gens que je peux dire, on a capturé certains membres de sa famille, on ne sait pas s'ils sont où, mais au moins on a identifié, parce que pour identifier un militaire, on l'identifie à partir de sa tenue. Le treillis qu'il portait, c'était la tenue de la garde des républicains. Donc, on doit chercher par là pour retrouver ceux qui ont été emportés. On va passer par la même voie de la garde républicaine. Mais nous demandons que la justice soit faite. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Il y a une vidéo qui passait sur la toile, on voyait un élément de la GR hein, qui se faisait arracher son arme. Ce n'est pas par rapport à cet incident que le vice-président Jean-Marc Kaboun a été visité. Je m'en même vu, mais c'était la police nationale congolaise qui maîtrisait un élément de la GR. C'était un élément. Et qu'est-ce qui s'était passé? Si vous étiez lésé de ça, la procédure c'est quoi? C'est de saisir la justice, dire que nous voilà, parmi mes éléments, il y a eu un qui a été désarmé, je ne sais pas pourquoi, j'ai saisi la justice militaire pour chercher les policiers qui l'ont arraché cette arme. C'était pourquoi? Est-ce que vous voulez tuer sur quelqu'un? Est-ce que vous voulez faire ceci? Et c'est la justice militaire qui va tracher. Ce n'est pas à vous de vous rendre justice. Ce qu'on a fait ici, c'est se rendre justice. Si c'était seulement ce dossier-là. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce dossier. C'est peut-être qu'il y a un autre dossier caché que nous ne maîtrisons pas. Mais comme on dit que la justice sera saisie, nous suivrons les audiences pour savoir ce qui s'était passé. Mais ici, nous venons constater attaquer le député, attaquer les députés nationaux et sont venus combattir avec le président, le vice-président de l'Assemblée nationale dont sa maison a été vandalisée. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons prendre une photo. Et nous allons prendre une photo. Si c'est le premier vice-président, on peut faire ça. Et chez moi. Là, papa, le nom dans la salle. Donc ils sont entrés jusque. Mais aussi le porte ici n'était pas fermé. Non mais c'est la même chose, les gens sont arrivés normalement. Et puis.
Ça c'est la cuisine, hein? Donc voilà, nous sommes venus nous-mêmes constater notre collègue et notre chef d'un acte. Ça c'est une tentative de meurtre. Ce n'est pas, c'est pas autre chose. Si notre chef de député, le numéro 2, la deuxième institution de l'Assemblée de la République peut être attaquée comme ça, il n'y a plus de pays. Un représentant de la population. Contre. Merci beaucoup. Ndio moni biso to vandiawa. Eza pasi makasi pa na biso. Biso toza population ya Kingabwa. Oye le kanyawa eza babete libiso te. Awa pe na zolo bawa. Ba konzi ya mura soki ba boyi yango ba ya kolobe ba ya epananga parce que balingi ba betanga na numasasi betanga liso ono makambole kania watomoni ba tipi ya ba JR koti 3 jeep na Jefan tomoni ke ba mvayi lupango ya president Jean-Marc oh biso siko to bimi population to bimi mais qu'est-ce qui ne va pas donc uta ba policier ba kangi 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 ba ba policier toya botango toningi toya ba tseli biso penda ba arme soki kaka o meki ko pusa na to ko boma bino sur place oh to bisi ba bo mboko boma biso ordre de mission ngo boye na ngo ya ndenge nini bozi ordre de mission ya ko boma president mbala moko boye et puis boko boma epe population etala kaka ndenge bozo boma e nde bango ba boyi ba lobi ke soki bo pusa nya to ko beta masasi biso peto telemi biso na bango yo komi frontière bango ba telemi ba tseli biso ba arme biso peto telemi siko biso moye to pousa na pemeni wana exacte parce que ba tse biso siko mundu ki wana ndengo to kamu to lini habite na mboka nini oye ko ki ne papa o juste pa chama kabun e la ba grade ba la awa quand te petit bango ko za tsi to ko tsi na kata o oui bango eloko nini ba zui accès c'est parce que ba yaki nanu lokola policier policier azo ba force terrestre azo banga nde wana nzande ba consigne bango abazana droit ya koya kokange parce que ba yaki na ba peine nde ye bakangi ba policier c'est que vide de kotina na résidence ya président na invité attaque otso ki ba pesa ki mu consigne bango ops to benga ngo os ops spécial donc ordre de mission wana ba yena ngo mais ordre de mission wana ya kokota tina kati ya résidence ya président donc le Jean-Marc et puis sakaze baba niko buka na ba poti ko beta bazina photo ya Fati dans ma présence bolanda nanu na loba wa soki balingi ba ya ko demanti o nga na loba c'est bien moins pas ça
ngainde naza mukonzi ya ba maître volontaire. C'est ça. Na yaki parce que biso toza protection ya protéger la population et leur bien. Tango événement salemi mutali boso bima keza lingai. Mais ba tenga penza arme ba ko beta. Na yena ba combattant ngai. Ba zu photo ba ni papa chi ya fati. Bakati kati kati bapanzi yango ya président de la République comme si dans ce pays on a JR azo kata bashi ya président de la République akati ya saboté na nous président de la République et puis bakoti na kati ya ndako babandi ko sakaje ndako bakati kati babiloko nyonso zaki na libanda babashi nyonso ndengo biso be totali tobime na yebite makambo boye ko kiko sale mana pays ni mon conjoint, le président Jean-Marc, même il bateau ba yebi mi beko mboka te ba oleka na ba olela. Balobi bozo ya ko saboter président Jean-Marc na niveau yo. Est-ce que président Fati ay mo ayeba ki makambo yo to ayeba ki angoti. Ne loko lekeli bato. Et puis bato ebele ngana ko lo ba vérité. Na ko lo ba vérité. Bato ebele ba regretter pour na président de la République. Bato e population est regretté pour na président de la République. Parce que biloko aboye et koki jamais ko salema. Et puis président Jean-Marc ce qui toke une assemblée za mokonzi to yena nuna IDPS IDPS za parti au pouvoir le parti présidentiel. Bonjour président. Bonjour. Allô mama kambuya ndenge biso toza na besoin. Basoda wana ndenge bayaki bana mura wana bana mura bakosala lisusu na presidency te basi ndenge zabo ye bana mura basala Kabila le père quand la côte arrive dans Moka Kabila le père Kabila le père quand la côte dans Moka oh aswa ki ba esforce atinda ba on a kamina banda ko ma bango chaque jour et là biso to salité mais sobo mec qui to sala acte Kabila le père a sala ra bon continuera merci beaucoup bonjour président ah to la résidence président Jean-Marc Kabou ah to ba ki ba tenir belle ah qu'est-ce qui ne va pas ici ndeko eloko salemi oyo on n'est pas d'accord. Oyebi que c'est l'UDPS, c'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. Le col UDPS a ça le pouvoir. On connaît bien l'air maintenant. Baninga, Bato, Baza et Belé, tout autour la chef de l'État, souci na bango et Zali, va exclure l'UDPS na Makambounion sur bango bas aura décision. Souci na bango et Zali qui va affaiblir l'UDPS parce que l'UDPS a toujours gêné bango. Le col de l'UDPS a toujours gêné Bango, ça là tout. Bah, il est président de l'UDPS. En ayant, bah, il est deux combattants, ils sont là, et là, comme côté, pour Bango, bah, reçu le cop na Bango. Mais, bah, il est baboué. L'UDPS, c'est côté, il est aussi là, l'UDPS, c'est côté, il est aussi effacé. État d'esprit. Bah, calcul na Bango, ils sont là, 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 ils sont là. Cop na Bango, là. Que l'UDPS est résistant dans ma cambo et belé. Mais comme le niveau, il y a kokota na résidence, il y a président, il y a l'UDPS. C'est-à-dire, Basimbi est un Tshisekedi. Basimbi est un Tshisekedi. Tokoki kondi mayangote, nous allons répondre. Président, moi, je suis un Moké, je suis un Moké, je suis un Moké, je suis un Moké. Président Jean-Marc Kabou a dit président de la partie présidentielle. Vice-président. Il y a des gens qui comment se fait-il que le sabotage de Costa et Manakati a. Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont mis parti à la partie présidentielle. Cela veut dire quoi? C'est comme si. Nazoye Bissayo, Ezalina Bato, mon bateau batindi Mourawana Awa. Nde bateau balingi ba effacer ba combattant nyoso. Na kokota na kati ya ndako ya président ya Tshisekedi na kati wanda uza pour ndako président Tshisekedi oui d'accord et zande ko président Tshisekedi
Et l'autre basali va toucher si qu'à l'ali. Alors on ne peut pas accepter ça. Tu bannis la bando, bango rando en Rando, c'est contre ces individus. Vous savez quoi? Vous avez dit les lois UDPS et Yaki pour répondre. Je dis pouvoir pour répondre à l'attente du peuple congolais. Mais il y a les individus. Bazawana baye kota la baye ko se servir la pouvoir baye pona ko sunga mission a été pestée mais baye ko to sa poche na bango mais eloko basali yo to ko bossa na yango te to ko bossa na yango te bozana bango pro mes ate ba ko si tu na photo peut-être c'est que ba ko ici mo eloko na to ko ndi ba yango te ko simba présent ya UDPS a simba simbi biso mais to yebi ba to wana o bazasi ya makambo wana mission na bango ba yebe déjà c'est quoi l'UDPS c'est quoi tika le ko et puis ba pêcher sur ma casse collègue ba pêcher ma casse collègue merci bingle merci beaucoup ko bana ngai bonjour madame Boka bonjour to moni bino ko za habitant au plan pemi na mona mboka chama kabun awa likambo kweli awa quel sont votre réaction ngai ko na ngai na ko lo baboye UDPS depuis 1900 depuis banda 1982 UDPS etika la ko sa l'échec à Tamoukolo Mokote. Ndengeza boye, bana ya UDPS, bazana kati ya kokonza mboka oyo, banguna oyo ba yaki koboma Congo na biso. Mais baza déjà na retard. Pourtant oyo sengela ki ke basri sa mission ya Jean-Marc, et si le cas. Ta o papa tseke ya kufwa, etika la ka biso Jean-Marc o toza na ye lelo, oyo batu ba fongolize la ke lelo, UDPS ezala na pouvoir. Voilà. Tozo yebisa bango boye. Tana bango esi eleka oyo ezata ya UDPS bokoko kata kombata moko ya UDPS te kombata ya UDPS oya na butu oya na moyi okoza yete yangwana tozo loba boye tokosenga pe na makila ya bakombata nyoso bakufa o basala liti pona Congo oyo bakombata wana mutu nyoso akoya pona ko deranger ezala cadre ya UDPS ezala kombata ya UDPS batwana bakutana na bango eloko musu na koba kiseza boye tozo senga identification et cela manakati ya bana mura na bamura nyoso na tozo mona teke bazaba congolais identification il faut identification na kati ya bana mura wana toye baba originaire congolais nde ba te sengeli bazala singa singa ya mokonzi ya mboka na yebi ya mukeo na sana ngo nde ya mwana zo senga identification baye ba yo za mwana mura oza congolais ya wapi pour batu ya double nationalité wana nde batu ba bomba mikuna nde batu ba gana ko sa ba kongo merci beaucoup na mboka na mboka le bonne nani ba merci monsieur journaliste pona maloba biso ko to vanda kana biso mata mvua ba zaka mo kulo to vanda na biso ko to te to vanda kana biso net biso to vanda na ba mombele to za ba place belé to to za to benga mina komba ba nani ya ba sportif ya komba ya ba sportif ya grand kasai ya UDPS biso to awa to ko ta net présent za la déjà awa ba mouvement ba nini makambo salemi mais ba bengi biso to ya to kuti makambo salemi au désordre nini bon tant to ya to constater que ba na mora ba ya awa ba sel ba désordre au ba sa kuti na ndako ya présent jama kabone ele ko na ko lobeza boye ya ba arme be ba makambo salemi ba ma ekoti ka ni pe na le kamuni biso ndeyo to za boye biso to za ba sportif premièrement biso tozo senga balongola baka bana ba bamura na baka de républicain batinda bango na far de ci net ba biso ne toza boy sportif faza deja soda veli yo ko mamura non mura te garde mura te mura za place bango ba sala ki formation biso do yo maga républicain la républicain soda soda ba soda za ne toza boy mwana mba yo bango mongo ba garde bolo tani mwana mboka ba chapeau la tika yo lo ba ngai za boy ba to ba zo sala mabe Batika, pour ceux qui ont été justice et Zibango, Bango, Bato, 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 papa papa tala ndenge tozali tozali awa ozo comprendre tala nga onde na zabu papa est-ce que arme na kosimba te okosimba papa na kosimba arme te na kosimba mokonzi te
papa, ba jie wana to lingi bango susute. Ba moura wana to lingi bango susute. Ba gosa la susute, so to za ba combattant. Ba rolande la bango ti na soka. Bisa mo lingi de wana, osi ma kongote. Thank you.